3h50. On va partir. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Allez, comme ça. Je sais pas si vous allez voir grand chose qui fait nuit. Mais bon. Allez, on y va. C'est parti. Go. Bon, et là on arrive au premier point de rendez-vous qui est le pont. Donc il y a une queue. Un petit chien. Ah, dégage, dégage, dégage. Donc ça ouvre dans 20 minutes. Puis après on monte pendant une heure. h 43, on est arrivé. En tout premier. C'est important. En troisième. Ouais. Non mais en tout premier, on était tous les trois, enfin on était trois et on arrivait en même temps tous les trois. Et donc en 40 minutes, c'est peut-être la première fois que je suis autant le matin. Parce qu'il fait un peu humide. Ouais, ça a monté. C'est un peu le remake de l'Annapurna quoi. Et par contre la seule mauvaise nouvelle c'est qu'il y a énormément de nuages. Donc on est même pas sûr de voir une vue dégagée. Mais on verra. C'est magnifique. Donc un petit point sur Machu Picchu. Machu Picchu en fait c'était une ville d'Inca, donc ça c'est pas nouveau. Et c'était surtout une ville qui regroupait entre 300 et 700 habitants. Et c'était surtout une ville qui accueillait des vagabonds. C'était sur un passage, sur une route. Et les gens s'arrêtaient. Ils restaient pas forcément. Voilà, on se trouve dans une maison Inca. Et le guide nous a montré un petit truc qui est super intelligent. Vous allez vous dire ça sert à quoi, et en fait c'est, vous avez remarqué il y a un peu d'eau et ça reflète les étoiles et les éclipses parce qu'on peut pas la regarder avec avec l'œil nu. Bon et voilà, le Machu Picchu c'est terminé, là on s'est posé. Parce qu'on doit partir bientôt. On a pris la vue la plus haute. C'est super beau. C'est un des meilleurs trucs qu'on ait vu. Enfin non, c'est le meilleur truc qu'on ait fait pour le moment dans ce voyage. Trop stylé. Je pense que vous avez vu au drone, je sais pas si c'est bien. Mais je me suis fait encore une fois arrêter. Je savais que c'était pas possible, mais que c'était interdit. Mais du coup, ils ont récupéré mon drone et ils m'ont demandé de supprimer la carte mémoire. Sauf que j'ai eu le temps d'interchanger les cartes mémoire pendant la descente pour aller au bureau.
Donc voilà, c'est une petite anecdote. Là, je pense qu'on va redescendre, et puis là, après, ça peut être très fun parce qu'on prend le bus. Maintenant, très intéressant. Mais ouais, 5 sur 5, hein. Vraiment incroyable. Bon, on espère que vous avez aimé ces petites images du Machu Picchu. Là, on est rentré à Cusco, il est 23h. On a eu pas mal d'heures de route, c'était fatigant. Sachant qu'on est réveillé depuis 3h30 et voilà, là on dort dans le van ce soir sur un parking. Et demain on va continuer à visiter Cusco parce qu'en fait il y a plein de choses à voir, plein de choses intéressantes. Donc sur ce, nous on vous dit bonne nuit. Ici il fait très froid. Alors comme d'hab, réchauffez-vous bien sous votre petite couverture. Et à demain. Salut tout le monde, donc là on est au garage pour changer, on refait souder le pot qui est tombé par terre lors d'une marche arrière. Donc là il est en train d'être ressoudé et puis après on va partir, Grégoire va se faire couper les cheveux et on va également aller au marché de Cusco qui est un marché apparemment assez stylé. Et puis après on va se balader dans les alentours de Cusco parce qu'il y a plein de trucs à faire. Il faut savoir que Cusco c'était la capitale du temps, c'était le centre lors de l'ère des Incas. Et du coup il y a plein de trucs à voir. Donc on va faire ça aujourd'hui, peut-être un peu aussi demain matin, et puis après direction Arequipa. On vous emmène avec nous comme d'habitude. Let's go. Donc on va terminer le vlog ici, demain on part vers Arequipa, mais ça vous le savez déjà. On sait pas si on vloggera du coup. Là tout le monde me regarde parce que je filme, donc je vais arrêter. Je vous souhaite une bonne nuit. Allez, ciao ciao.